Non mais franchement, vous auriez un peu de temps? Aidez les résidents en prenant une belle photo de la briqueterie. Ok. Au feu! Putain, c'est pas le petit feu. Allez. Voilà. Pas mal. Qu'est-ce qu'il me donne? Manœuvre requise que notre... Affecte tous les bâtiments de production. Oh, vieille cloche. Ça, c'est pas mal, ça. Par contre, là, les pompiers... C'est pas tout ça, mais il faut se manier. Hein. Attends, ils sont où, mes pompiers? Allez, les renforts. Les entrepôts sont submergés. Ouais, je sais. Ça, c'est pourquoi manœuvre qui est moins 30 pour tous les... fait tous les bâtiments de production. Ah ouais, ça, ça augmente le coût d'entretien par contre. Il n'y avait pas vu. Voilà, j'ai tout à fond. Pareil ici. Allez vite, les pécores sont en train de prendre feu là. On manque cruellement de main d'œuvre. Comment ça? Ah! Ah oui, d'accord. Pénurie de main d'œuvre. Oui, bah merci, j'ai vu. Je sais pas ce qui se passe, mais d'un coup là. Bon, on va faire. Hop là, c'est magique. C'est que je vais faire ça. Qu'il se passe? Le Kraken déchaîné. Un Kraken, la tempête se lève pour laisser apparaître des tentacules aussi larges qu'un tonneau et longs comme 10 hommes. Les créatures de légende s'élancent contre le navire, ses prodigieux palisses battant frénétiquement les vagues. Navigation plus 35%, tuer le monstre, 4%. J'ai vraiment envie de tester. Une baleine, c'est qu'ils peuvent tuer un monstre. Malgré le rideau de puits qui s'est battu sur eux, vos matelots parviennent à charger un harpon et le déconcer sur le Kraken. La créature facile disparaît dans les abysses sous le bras de l'équipage. D'accord. Bon, je pensais qu'on pouvait choper un truc du Kraken. Bon. Ah oui, qu'est-ce qui se passe encore? Sauvera de ce nuage infernal. Récupérer Maria. Quoi, à l'église? Hop là. L'incendie a fait des ravages. Ah oui. Notre ville s'est enlaidie. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Qu'est-ce que j'ai gagné? En ce que l'île a fait l'université et club dans gentleman. Coût d'entretien plus 15. Attrait plus 15. Donc ouais, j'ai pas eu le temps de voir. Coût d'entretien. Ouais, mon coût d'entretien est déjà au maximum. Putain, il y a plein de quêtes. Cette énigme peut-elle être... Y aurait-il un moyen de résoudre... Cliquez sur le bâtiment correspondant à l'énigme. D'accord, c'est quoi l'énigme? Un ingénieur pour voudrait... Vos qualités de dirigeant. Ok. Son énigme. Cliquez sur le bâtiment, demandez sur n'importe laquelle de votre île pour répondre à l'énigme. Qu'est-ce qui donne de l'allure à un navire quand elle se remplit? Bah... Ça. Vous êtes très efficace. L'ingénieur vous remercie pour votre aide. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? Ah zut. Faut que je ne monte mes... Voilà quelque chose à votre portée. Oh, putain, qu'est-ce que tu veux encore? Attends deux secondes. Ouf. D'accord. Ok, pas mal. N'abusez pas de ma patience. Qu'est-ce qui se passe ici? Quoi, il n'y a pas de train pour... Ah ouais, d'accord, je n'ai pas du tout de stock. C'est quoi ça? Ah! Alors, fournir des trains supplémentaires en manque la capacité de stockage.
Ok, bon, comme ça on aura des trains supplémentaires. C'est que j'ai pas assez de pétrole. Est-ce que j'ai des puits là-dessus? J'ai pas de puits, forcément. C'est la Louise. Ah, il va me faire masse de pétrole. Comment je vais faire? Alors. Non. On va trouver une solution. Ça, pour ça, il me faut du béton. Parce que le pétrole est dans, forcément, je vous dors 1000, de l'autre côté. Est-ce que le pétrole, je peux le... Est-ce qu'il faut des navires spéciaux pour ça, en fait? Ouais. Je remercie les généreux donateurs qui ont... Allez, go. Des concurrents sont désormais en guerre. Ouais. Le cessez-le-feu a expiré. Vous avez dit quoi? Pour ça, il me faut du fenêtre acier et ça. Ok, donc on va peut-être... Allez. Putain, j'ai pas assez de... On va prendre tout ce que je peux. Un petit quelque chose pour vous encourager. Fenêtre. On va en prendre au maximum. Ah non. Voilà. Et j'avais dit poutre en acier. Et j'ai plus de bière. Et poutre en acier non plus. Oh là là. C'est la loose. Le fleuron de sa magie. Ouais, bah, c'est la loose. Mais non. Savonnerie, élevage, bricoterie. Affecter boulangerie. Ah, j'ai plein de trucs pour les moins... Ah, ça, ça va être intéressant. Je vais voir ça. Ah, ça, c'est pourquoi. Un de vos navires est attaqué. Ah ouais, d'accord. Toi. Je vais aller au Nouveau Monde pendant ce temps-là. Alors il y a des trucs intéressants que j'ai vu, que j'aimerais bien mettre en place. Alors, lui, affecte usine à ampoules et usine gramophone. Donc non, pour l'instant c'est pas ça. Ça c'est pour... Ok, mais ça me demande la trait. Là c'est pour les brasseries. Affecte les résidents lors de l'activation. Ça, c'est pour le risque d'épidémie. Affecte tous les bâtiments de production lors de l'activation. D'accord. Lui, coup d'entretien pour les boulangeries. Où sont mes boulangeries? Ils sont là. Ça, c'est pour les brasseries. L'invisible danger nous guette. Usine à cigares et moulins. Ça c'est pour les fermes. Alors attendez. Ce n'est pas la grande forme. Le prédicateur. Votre chaplain dépasse les bords, il met les débords de votre expédition sur le compte de la prétendue hérésie des officiers du navire. Petit à petit, la colère et la méfiance gagnent les rangs de l'équipage. Ses sermons enflammés font désormais partie du quotidien de l'équipage. Bientôt, les matelots ne jurent que par lui et les lieutenants voient leur autorité décliner. Faire la preuve que ses doutes sont le fruit d'une maladie mentale. Discréditer une confrontation directe, punir lui sans vous attaquer à ses idées. Médecine. Le médecin est pris à son propre jeu. Merde. Votre médecin interrompt le sermon quotidien du chapelain d'une déclaration tonitruante. L'homme de foi aurait l'âme viciée par une maladie mentale.
Sous les regards de l'assistance réunie, votre médecin débite un septet d'opinion personnelle en guise de diagnostic. Le chapelain accueille son septicisme avec bienveillance. L'influence du saint homme grandit et le lieutenant doit faire avec pour le restant du voyage. J'ai vu comment ça me saoule, lui. Donc ça, c'est pour la productivité donc de ces fermes-là. Ce serait plus intéressant... si je pouvais pas mettre ça ici. On va plutôt faire ça. Est-ce que je touche... enfin, ah oui, là je touche tout le monde. Hop. Ok. Du coup, on va retirer ça là. Je vais mettre à la place. C'était le truc pourquoi. Un fait de boucherie et élevage de porc. Les boulangeries. Parce que j'ai la majorité de mes boulangeries qui sont là. Ici, je vais mettre ceci. Voilà, j'en avais que deux affectés, là j'en ai 5, plus une ferme à céréales, c'est pas mal. Menuiserie, j'ai pas une menuiserie. Si, j'ai une menuiserie ici. Non, c'est une scierie ça. Ça c'est pour les... les brasseurs. Ça déborde de partout. Tu m'étonnes. Et pour le coup, je fais pas assez de bière, c'est marrant. La bière, je suis en pénurie totale. Je dois avoir ce qu'il faut en stock de houblon. Ah oui, j'ai ce qu'il faut à mort. Partie sauvegardée. Amélioré par l'électricité. Que diriez-vous d'une tasse de café ou de thé? Vous jouez depuis 2 heures. Ouh là là, je joue depuis 2 heures. Je vais mettre ça là, tiens. Ah parfait, là on a l'espace, on va en mettre 2 de plus. Comme ça, ça va me permettre de mettre ça ici. Ah c'est vrai qu'on avait aussi une... ah oui, c'est considéré comme une brasserie. Ça. Ah, une distillerie, d'accord. Ok, ça c'est pourquoi, savonnerie, élevage de porc. Là c'est pourquoi des briqueteries. Ah ça, ça m'intéresserait de mettre. Là, j'ai tellement de bonus hein, tant les utiliser. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Ok. Donc toi c'était pour les briqueteries. Moins 100%, c'est pas mal. Là on avait... j'avais un truc pour les munitions productives plus 30% risque d'intrusion. Hop, on va utiliser. Ok. Et ensuite ça c'est quoi? Moins 20 pour la manœuvre requise. Entretien plus 10. Pour ça, on va attendre. Ça, c'est pour les savonneries. Boucherie et élevage de porc. Là, on a productivité plus 20%. Et là, productivité plus 20%. Ouh, traiteur, ça, c'est pas mal. Expédition de retour. Après des semaines de tribulation, votre expédition revient saine et sauve au bercail. Vous avez capturé un animal sauvage, l'équipage trinque. À la réussite de votre expédition, je dis qu'une réussite que comptera assurément. Oh, naturaliste. Donc j'ai chopé des papillons. Ok. Un bœuf. Pourquoi pas. Et des tortues vertes. Ok. Navire amiral en attente d'instruction. Hop. On est de retour. C'est parfait. Cap est tracé. Je me demande s'il n'y a pas des trucs à aller chercher là. Je me demande s'il n'y a pas des trucs intéressants à aller chercher.
surveillons s'il n'y a pas de la cargaison. Oh si. Oh, allez, go, go, go. Oh si, il y a la cargaison sympa à aller chercher. Ouais. Parce qu'il y a les alliés qui sont en train de se tuer. Le bleu contre le jaune. Il en a fallu du temps. C'est bien, ils sont en train de s'entretuer. Oui, personne ne me déclare la guerre. Moi, j'attends d'avoir les cuirassés pour commencer à envisager la guerre, parce que là, c'est vrai qu'ils sont un peu... tous useless. Mais... c'est bon, je t'ai escorté, mec. Ah, faut attendre la fin. De nouveaux ordres. Bizarre. C'est la guerre. C'est la guerre et moi je suis en train de grimper les trucs derrière. Merci. Comment se faire de l'argent sur le dos des... autres joueurs. T'as les cuirassés. J'ai hâte de les avoir. Oh le pauvre petit. Oh là là, il y a tellement de trucs à récupérer. Récupère-moi ça. Oh, du cigare, merci. Et j'avais ça à récupérer. J'ai plein de trucs à récupérer là. Je vais me le faire lui. Allez, je vais voir ce que c'est. Bon. Qu'est-ce que c'est de ça? D'accord. Oh, fabrique de coton, c'est cool. Objet de personnage manifeste de Trudzorgensen. On me donne de nouveaux horizons. Prenons le temps de la réflexion, voulez-vous? Non. Maintenant, c'est juste déplaisant. Ouais, mais bon, 80 000, mec. Il y a plein de trucs là aussi. Que je crois qu'il a coulé lui. C'est ça que j'aimerais bien aller récupérer, mais je pense que c'est trop là. Ah, ça veut dire que si ça peut récupérer ça, ça veut dire que c'est une cargaison que j'ai déjà. Vous voyez, ça c'est la tactique, si vous voulez savoir, parce que si vous êtes plein, forcément vous pouvez pas récupérer des trucs. Et là ils vont vous dire une petite croix rouge. Mais les autres ça veut dire que c'est une cargaison que j'ai déjà. Alors autant ne pas la perdre. Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est du... Ok, c'était du coton. Pourquoi pas. Malheureusement les autres trucs on peut pas savoir ce que c'est. C'est ça qui est dommage, on peut pas savoir ce que c'est. Même quand on est à côté, ça serait cool de savoir ce que c'est en fait. Du coup, ce qui manquait ici, c'était quoi? Ah oui, des briques. Et le pire, c'est que je pourrais... Oh putain, comme par hasard. Il y en a ici, là. Ok, j'en ai là, là. 3. 4, 5, 6, 7. Ok. Un incendie s'est déclaré. Bon, ça. Allez. Je vais essayer un peu le truc. Je sais pas combien de temps ça peut rester en mer, ça. Merci. Une nouvelle commande ? Je vais aller récupérer ça.
de vos navires est attaqué. Comment ça? Une nouvelle commande? Oh merde. Vite! Allons près des alliés. Ouais. Ah merde, j'ai oublié de déposer les canons. Allez, on va récupérer ça. Ah putain, ça disparaît pour moi. Un de vos navires est attaqué. Mais lâche-moi, bordel. Où tu vas voir, toi? Je vais te marrer la gueule. Fuis, petit, fuis. Allez, fuis. Tu vois. Non, il y a une épave de bateau. J'ai jamais remarqué qu'il y avait des épaves de bateau. Ouf. Parti, sauvegarde. Allez, vas-y. Je sais que t'as des trucs intéressants à cacher. Oh oui. Oh, t'es un peu bloqué là. Hein, t'es un peu bloqué là. Un de vos navires est attaqué. Magnifique, non? L'incendie a été maîtrisé. C'est quoi, quoi? De l'or. Encore de l'or. J'ai cette entêtante. Ok. On va mettre les papillons ici. Ici, on va mettre... Quelle magnifique réunion d'espèces bigarrées réunies dans une parfaite harmonie. Et là, on va mettre la tortue. Voilà. Les créatures vivantes ne sont pas faites pour être enfermées. Donc l'eau, prairie, reptilium... Regardez donc ces créatures importantes. J'aimerais les mettre par... comment ça s'appelle? Par région, mais c'est de la misère pour savoir d'où ils viennent. Est-ce que je pourrais pas faire un petit truc sympa pour combler ce truc là? Voilà, on va faire ça, un truc comme ça. Bon, c'est pas pour décorer. Hein. J'en étais où, moi, avec mes messieurs dames, là? Ah oui, les ports. Espèce d'incapable. Non, mais je l'ai escorté, ton truc. Ça se propose avec quoi? Ok.
Non, attendez. Comment je vais faire ça? J'aimerais bien mettre ça ici. On va faire ça. On va changer tout ceci. Là, je vais te mettre... C'est bon, 5 sur 5, c'est parfait. Ok. Donc on va mettre... Et non, on peut pas mettre monsieur ici. Si, on peut le mettre. Faut juste que je refasse la route. Partie sauvegardée. Attendez, je suis dans le rayon de superposition de ces trucs en fait. Ah, fait chier. Le festival est terminé. Ah oui, d'accord. Bon. Ça devient compliqué alors. Ah oui, d'accord. C'est pas raison de superposition avec un autre... Ah, on peut pas superposer les... Ah ouais, d'accord, on peut pas superposer les... Ok. Je pense que c'est ça, en fait. Je vais plutôt faire ça, alors. Je vais faire un truc comme ça pour l'instant, on va voir. Enfin, attendez. Ok. Attention aux foules. Ouais, voilà. Ça peut pas superposer avec les autres. Et là, voilà, on est un peu trop... Et ben, je vais faire ça comme ça. Voilà. Influence gestionnaire en chef. Ok, et du coup, je peux mettre élevage de boucherie, élevage de porc. Je vais mettre ça ici. Avec la savonnerie, élevage de porc. Et je vais mettre ça là. Voilà. Parfait. Ça c'est pour les pompes. Ça c'est quoi ça? Mont de charge, productivité, coût d'entretien, plus 15. Ah, les mines de montagne, productivité, plus 25. Si je fais... On va mettre ça ici. Hein. Hop. Parfait. Si je remets du cochon là... Les locomotives qui suivent. Oh la vache! Il y en a plein!